amour, on a changé l'intro aujourd'hui. Comment ça va les petits copinous? Oui. Ils vont bien tu crois? Oui. Ah, et parce toi ça que, va? Parce que moi j'ai entendu quelqu'un qui avait dit non. Il y a quelqu'un qui a dit non, que ça va pas? Eh oui. Qui? C'est Malik. Oh non, non, je dis une blague, Malik, il regarde toutes mes vidéos. Il regarde toutes tes vidéos? Oui. Alors on lui fait de gros bisous s'il regarde cette vidéo. Gros bisous Malik, bienvenue. Je dis gros bisous aussi à sa mamie. D'accord, gros bisous à Malik et sa mamie et gros bisous aux petits copinous qui nous regardent. Aussi à une soeur. C'est difficile de parler aujourd'hui, dis donc. Donc on vous fait à tous de gros bisous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Maëlia? On va faire le slime. On a trouvé une recette qui est très très simple. Il s'agit d'utiliser de la lessive, de la colle. Et de ça, et de la couleur. Et un petit peu d'eau. Donc un on peut aussi... Un petit peu d'eau, après, et après quand tu mets l'eau, tu mets ça. Et après tu mélanges avec la cuillère et après ça fait le slime. Si vous avez une lessive de couleur comme celle-ci, c'est pas la peine d'utiliser un colorant parce que ça va faire un mélange un petit peu bizarre. C'est pas grave si on choisit le vert, mais le vert c'est comme ça. Voilà, donc ça ce sont des petits colorants alimentaires, on vous les montrera de plus près. Donc on va faire le test sur cette lessive-là, donc le slime sera de couleur bleue. Et après, on va faire le test avec une lessive de couleur blanche où on pourra rajouter les colorants alimentaires. Donc, est-ce que tu es prête, Maëlia? Oui. C'est parti, on commence? Oui. Donc, on vous a choisi une recette vraiment très simple à faire avec le moins d'ingrédients possible. Donc, on va commencer par prendre une dose de lessive. Donc, on prend des petits gobelets. Tac, tac, tac. Trois gobelets. Ça va nous servir de doseur en fait. On va mettre une dose de lessive. On a pris la lessive extra. Donc c'est la lessive que beaucoup recommandent pour faire le slime. Mais nous on l'avait, c'est celle qu'on utilise donc ça tombe très bien. Une dose de lessive. Da, da, da. On va aller jusque là. La colle. Donc c'est la colle Cléopâtre. À ce qui paraît c'est la colle qui marche le mieux. Ah oui excusez-moi je suis un petit peu enrhumée donc des fois je parle du nez. Alors on va mettre la même dose de colle. Est-ce que j'y suis? Je remplis de l'eau à moitié. Il faut vraiment respecter ce dosage là, que l'eau fasse la moitié des deux autres doses. On commence par mettre la lessive. Waouh. D'après toi, est-ce qu'il va être réussi ce slime, Maëlia? Je sais pas. Tu sais pas? Alors on met la dose de colle maintenant. Lalalala. T'es contente Maë? Quoi Berk, ça sent super bon en tout cas, ça sent le propre. Il y en a qui adorent l'odeur de lessive et d'autres qui adorent les odeurs de colle. Donc là si vous faites ça vous êtes vraiment aux anges. Alors maintenant on va remuer tout ça. Ouh, ça commence déjà à faire une pâte. Oh regardez petit copinous ce que ça fait. C'est incroyable. Il y a de la lessive qui ne veut pas se mélanger à la colle. Alors je pense que je vais rajouter l'eau maintenant. Peut-être que ça va changer quelque chose. Et je crois que mon récipient va être un peu trop petit. Je pense que je vais retirer tout l'excès de liquide. Oh, c'est gluant, mon Dieu. Tu veux toucher? Touche. Ah ouais, vous voyez, ça colle vraiment trop à la main. Donc là, ça ne va pas. C'est pas une recette réussie pour l'instant. Hein? Je vais rajouter un petit peu de lessive. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire là. Je sais pas. Moi, je crois que je... J'arrive plus à m'en débarrasser. Mais il la touche pas. Parce que tu attends, il faut que je fasse en sorte que ça soit moins collant. On va tout transvider. Mon Dieu, c'est une expérience un petit peu... Voilà. Alors, on arrive avec ceci. On a cette texture là. Qu'est-ce qu'on peut faire Maëlia? Est-ce qu'on rajoute un peu de lessive? Je sais pas. On va tenter, hein. on va rajouter un peu parce que si je rajoute de la colle ça va trop coller. On rajoute un petit peu de lessive. Ça a l'air d'être mieux. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait que ça se ressemble à du caca. On dirait du caca? Oui. Oh. Peut-être qu'on a mis un peu trop de colle sans le savoir parce qu'à l'œil nu j'avais l'impression que c'était la même dose mais peut-être qu'il y avait un peu plus de colle. Donc on va voir ce que ça donne. Maëlia, non, ne joue pas avec l'eau s'il te plaît. Oh. La lessive, tu veux dire. Pas facile. Surtout, n'hésitez pas à laisser des likes pour
pour cette vidéo parce que c'est pas évident à tout gérer. Les caméras, Maëlia, le slime, c'est du boulot. Un petit peu plus de lessive. Oh, Maëlia, tu vas pouvoir toucher. C'est un slime bleu. Bleu, pas couleur. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. On s'est pas mal débrouillé quand même. Ça colle, Maëlia? Tiens, prends. Parce que Maëlia, ça lui colle au doigt, moi ça me colle un peu moins. Peut-être qu'il faut le malaxer encore, faut le travailler. Tiens, je te donne la moitié, tu vas... Ouh, regardez-moi ça. Ouh, non, il est franchement réussi, hein. Vas-y. Allez, travaille-le. On le met en boule et on le travaille. T'arrives? Je pense qu'on a fait un très bon slime pour celui-ci, hein. Bien travaillé, ça commence à devenir du vrai slime. Alors celui-ci... Ah non, c'est super. Attends, je vais t'aider. Voilà, celui-ci est super, ça colle pas aux doigts. Enfin, ça colle, mais je veux dire, après, ça vous laisse les doigts relativement propres. Ah, t'arrives plus à t'en défaire maintenant? Attends. Maëlia, ça vient couler, je vais t'aider. Ah, il m'est tombé dessus. Catastrophe. Ça m'est tombé sur le pantalon. C'est bien, hein? Oui. Et c'est nous qui l'avons fait. Peut-être avec un tout petit peu plus de lessive, ça collerait un petit peu moins. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, je vais venir t'aider parce que là, il faut, pas quitter l'enfant des yeux, je vous assure, parce que c'est la cata après. Ouais, donc bien respecter les dosages. C'est ça qui fait toute la différence. On dit, c'est ok pour cette recette-là. On va essayer de faire un slime maintenant coloré. Oui. Tu veux? Tu t'essuies très bien et après on enchaîne avec les couleurs. Alors on va prendre de la lessive blanche. Un peu noir? Non, c'est le packaging qui est noir mais à l'intérieur elle est blanche, c'est pour ça que je la prends. Donc c'est parti, on a les deux dosettes ici de colle et de lessive. On va faire la troisième dosette d'eau. On va essayer de mélanger en même temps. Là ça va faire du slime vraiment blanc. Attends chérie, l'amour, attends. On mélange énergiquement pour que ça s'imprègne bien et là, c'est bon. Et la couleur? On va mettre la couleur, attends. On va rajouter un peu d'eau. Oui. Du coup, la pâte, elle m'a l'air bien, mais... Maman, je vais mettre l'eau. Tu veux mettre quelle couleur, chérie? Un jaune. Du jaune? C'est un petit peu plus liquide, du coup. Qu'est-ce qui manque à ce slime, là? Ah oui, c'est vrai, la couleur, on la met à quel moment? Oh, t'avais oublié. Il fallait mettre dans l'eau. Il fallait mettre dans l'eau la oui, couleur. Il fallait la mettre dans l'eau la couleur peut-être. Oh là 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 là, cette maman. C'est pas grave. C'est pas grave, ça salit les mains. Hop, je vais rajouter un peu de lessive. Alors on va mettre un petit peu de colorant jaune. Miss Maïga a choisi la couleur. Qu'est-ce que ça donne? Il fallait mettre dans l'eau. Eh oui, il fallait mettre dans l'eau. Mais du coup, on va s'en mettre plein les mains. Parfait orange. C'est pas raté orange, mais c'est orange. En tout cas, ça se colore très bien avec ça. Alors, fais voir, je vais y aller avec les mains. Je vais m'en mettre. Ah, quoique non, pas spécialement. Oh, je vais bien malaxer. Ah ouais. Mes mains sont propres, pratiquement. C'est génial. Je vais pouvoir te le donner celui-ci. Ça va être un deuxième slime réussi, les copinous. Ah, tiens, celui-ci il est très bien fait, il est encore mieux que le bleu. Ouais, super. Est-ce que tu veux qu'on fasse un autre slime d'une autre couleur? Ah, c'est génial. Boum. 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 Ah non, il est génial celui-ci. Vraiment super. Alors, est-ce qu'on fait un autre slime d'une autre couleur? Oui. Tu veux? Ah, je suis contente. Celui-ci est mieux réussi que le premier. Alors, quelle couleur on fait maintenant? Le vert. Le vert. La couleur préférée de Maë. J'ai fait une pâte de slime. Maëlia a fait une pâte de slime. Pendant ce temps, moi, je vais faire le slime vert. On mélange, on mélange. Regarde comme ça fait vert déjà. Allez, vas-y. On mélange, on mélange, on mélange. C'est vraiment gluant. C'est gluant. Glu, glu. Maëlia qui fait une pâte de slime. Et ça colore pas du tout, c'est génial. Franchement.
Vous pouvez avoir du slime fait maison vraiment facilement. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Maë? Donc du coup, le slime avec la lessive Mir Black, il a été mieux réussi que le slime avec la Extra. La bleue. Ouais. On va faire une autre vidéo sur le slime, si tu veux. Tu voudras faire une autre vidéo sur le slime? Oui, parce que je vais faire des pâtes et des spaghettis. Faire des pâtes et des spaghettis. Donc à chaque fois, je dois enlever un peu l'excédent d'eau parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu trop d'eau. Donc on enlève l'excédent et on mélange. Le slime. Ah, qu'est-ce que ça va donner celui-ci? Je vais rajouter un petit peu de lessive encore. Hein. Hop. Du coup, moi, franchement, je vous recommande de mettre un tout petit peu plus de lessive que de colle. Pour que ça fasse une bonne matière. Bah, elle s'amuse super bien. Si vous voyez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de d'eau ou un peu plus de colle ou lessive. Voilà, donc là je viens de rajouter de la lessive et je commence à avoir la consistance que j'aime. Voilà ce que ça donne pour celui-là. Ah, bouh ! Celui-là il est un peu plus gluant. Ça te plaît, hein ? C'est génial. Ah, donc voilà ce que l'on obtient, c'est génial. Waouh. Bouh. Ah. Donc c'est super, on a réussi nos deux slimes donc colorés. Donc on va s'arrêter là pour les slimes de couleur. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une autre vidéo slime avec d'autres couleurs ou d'autres recettes. Voilà. Couleurs. Voilà. Ou si vous voulez qu'on fasse par exemple une vidéo pour les tout petits sur comment apprendre les couleurs. Donc on ferait. Moi, je sais déjà toutes les couleurs. Oui, Maëlia, c'est toutes les couleurs, mais il y a des petits copinous qui connaissent peut-être pas toutes les couleurs. Donc on aurait fait des slimes de couleurs différentes et on vous aurait fait une petite vidéo sympa pour voilà pour apprendre les couleurs aux copinous les plus petits. Voilà, donc on a celui-ci. Oh, celui-ci, le bleu. C'est celui qui a le moins. Oh, remarque. La consistance est un peu. Il est un peu plus salissant celui-là. Il colle un peu plus au doigt. Ouais. Il colle un peu plus au doigt. Mais tu vas en avoir de partout encore. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est super bien amusés pour réaliser cette vidéo. Et si ça vous a plu, laissez-nous des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. On vous fait de gros bisous. Et on vous fait des gros câlins. Bye bye. Yeah.